premier jour de mon challenge, un masque par jour pendant une semaine. Donc je voulais vous montrer un petit peu ma peau, donc elle est comme ceci. Vous pouvez voir que je n'ai pas une peau parfaite, hein. Loin de là. J'ai pas mal de cicatrices sur les joues, je vais essayer de vous les montrer, surtout ici. Vous voyez que j'ai eu des boutons quand j'étais jeune. Là j'ai eu un bouton il n'y a pas très longtemps, donc on voit encore qu'il est là. Ensuite j'ai des taches, j'ai aussi des grains de beauté, j'ai aussi des belles cernes bien noires, hein, comme vous, et bien creuses aussi. Et puis je commence à avoir des rides aussi, donc sous les yeux. Où est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai sous les yeux là, surtout là. Et puis je commence à avoir aussi ici, vous voyez, les rides du sourire. Sur le front ça peut aller. En fait moi quand j'ai eu pas mal d'acné quand j'étais jeune, j'ai eu plutôt de l'acné en fait ici, voilà, jusqu'à tout dans le cou en fait. Mais pas vraiment ailleurs, pas sur le front ni sur le nez. C'était beaucoup à l'extérieur du visage en fait. À partir de là, tout là en fait. Donc aujourd'hui je vais essayer un masque que j'ai acheté à Olivian. C'est ce masque là, donc c'est le masque de Medihill Mesh Peel au thé vert. Sans plus attendre, on va mettre le masque. Et après je mettrai en fait mon masque DKCC pour tenir le masque et pour aussi rafraîchir tout ça. Je sais pas comment ça se met. C'est carrément, on dirait de la terre. C'est trop chelou. Waouh, c'est trop bizarre comme masque. Donc on va mettre mon masque DKCC comme ceci. Voilà, le masque est très bizarre. C'est en fait un tissu, mais c'est comme de la terre. Et ça sent la terre aussi un peu. Donc, c'est parti. J'ai l'air très belle avec ça, mon dieu. Glamour. Sexy. Donc voilà, je vais attendre. Combien de temps il faut attendre maintenant? 50 minutes. Il faut attendre 50 fucking minutes. Bon bah écoute, hein. C'est écrit 50 à 60 minutes. Ça fait beaucoup, je trouve, quand même, non? So sexy. So sexy. Faut rincer. Donc voilà, premier masque fait. Je sais pas si vous voyez la différence. À demain. On est le deuxième jour de ma semaine un masque par jour. Aujourd'hui je vais faire ce masque là en or, oh, mon dieu. Donc je vais enlever mon maquillage et je vous retrouve tout de suite. Voilà ma peau avant. Voilà. Et je vais donc mettre ce masque là qui est censé donc être un masque pour briller telle une boule de disco, n'est-ce pas? C'est pour Quantier. Quantier, c'est vraiment les reflets. Et Mi-Bec aussi. Alors Mi-Bec, c'est pour, c'est pas pour blanchir, mais c'est pour donner de l'éclat à la peau. Voilà. Je vais mettre ça et je vais aussi mettre mon masque rafraîchissant dessus pour que ça tienne bien. Parce que j'ai pas mal de choses à faire là. Donc je vais faire des trucs en même temps. Waouh, c'est magnifique. De ce côté. Et ben voilà, on dirait carrément une décoration de Noël, quoi.
une boule de Noël. C'est ça. Je suis une boule de Noël. Donc on va mettre mon masque rafraîchissant pour tenir le tout. Ouh, 10 à 20 minutes. Et je reviens tout à l'heure. Coucou, donc ça fait 20 minutes, je vais enlever mon masque. Oup. Et voilà. J'ai fait le masque, je sais même pas si j'ai dit qu'est-ce que c'était comme masque. C'est un masque de Mediheal qui s'appelle le AirGuard Foil Lab Mask. Comme ceci. Donc pour l'instant je vois pas vraiment de résultats, mais je pense que... Enfin hier j'ai eu plus... Hier j'ai vraiment eu la peau apaisée et très douce. Là je sens rien, à part sur les... Un peu sur le contour des lèvres, ça me pique un peu, donc c'est pas très bon signe. Mais physiquement sinon c'est pareil. Dites-moi si vous voyez une différence. Voilà, donc je vais vous retrouver demain à la même heure, au même endroit. Bye! Salut, je suis de retour dans ma salle de bain. Je vais enlever mon maquillage. Je vais enlever mon maquillage et je vais me faire donc un masque. Puisque aujourd'hui c'est le troisième jour de un masque par jour pendant une semaine. Donc je vais faire ça tout de suite. Wouh, je suis ton père. Donc je n'ai plus de choses sur ma petite tête. Ma peau. Est-ce que vous la voyez bien, ma peau, hein? Voilà. Donc nous allons... J'ai un petit truc là, par contre. Donc je vais aujourd'hui faire... Tada! Ceci, ce masque. En fait, je crois que c'est plusieurs masques, en fait. C'est... plusieurs masques, enfin vous allez voir, en fait c'est un masque rigolo, oui, parce que c'est des masques comme ça qui viennent, et en fait il y a écrit que ou poucou poucou, yepa, cool bibou, c'est ça, wouah, chingihé, ça vient comme ça. Et en fait, c'est des tissus un peu. C'est bien si vous voulez faire juste des zones spéciales. On a d'autres, on va regarder ce que c'est. Cool bibou. Cool bibou. Comment on peut faire le nez là? Ou alors ça faut que je le mette plus là. Ah merde, c'est de l'autre sens. Tada! Il y a quoi d'autre? Oh moi! Et maintenant je vais attendre combien de minutes? 10 à 20 minutes. Coucou, donc ça fait 20 minutes, donc je vais enlever le masque. Bon, c'est rigolo, mais je pense pas que c'est quelque chose de pratique. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de produits et puis ça va pas sur tout le visage. Mais voilà ma peau après. Donc là, c'est... Mon nez un peu... Parce que du coup, le masque appuie dessus, en fait. Et du coup, ça fait une marque rouge. Mais à part ça, voilà, ça c'est ma peau. Voilà. Eh bien, je vous dis à demain pour un quatrième masque. À demain! Coucou, c'est le quatrième jour de la semaine. Un masque par jour. Donc aujourd'hui, je vais faire ce masque-ci. Donc ça, c'est le masque de Manefit qui s'appelle le Energizing Rose, comme ceci. Et c'est pour nourrir et... Oh,
qu'est-ce que c'est ? Revigoré. Et c'est un masque donc en poète-poète, en gel. Et il va falloir le laisser 30 minutes sur ma peau. Donc voilà ma peau aujourd'hui. Voilà. Donc je vais mettre le masque. Et je mettrai aussi mon masque rafraîchissant pour tenir le tout. Ce qui est bien avec les trucs en gel comme ça, ça vient en général en deux parties. Du coup, c'est plus facile à mettre que si c'était en une. Même si c'est pas vraiment gel, mais c'est entre le gel et la feuille, quoi. Je vais mettre donc mon masque rafraîchissant. C'est parti. Je vais donc attendre 30 minutes. Coucou. Donc ça fait 30 minutes, je vais enlever mon masque. Voilà ma peau après le masque. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis à demain pour un cinquième masque. Coucou, donc on est le cinquième jour de un masque par jour pendant une semaine. Voilà ma peau démaquillée. Aujourd'hui, je vais donc mettre ce masque-ci. C'est le masque 21.5 de C20 by Wishtrend. C'est un masque qui est donc disponible sur Wishtrend, mais aussi sur Amazon, sur eBay, sur plein de choses. C'est un masque qui est donc antioxydant, qui aide à calmer et à, à hydrater la peau. Donc je vais mettre ce petit masque. Donc ça c'est un masque que j'aime beaucoup parce que ça va avec le sérum C20. Et moi personnellement j'aime bien les sérums à la vitamine. Mais en fait le C20 est un peu trop fort pour moi, donc je préfère le Klairs. Le Freshly Juice Vitamin Drop, je préfère que le C20. Et on va l'appliquer comme ça s'applique normalement. Voilà, donc c'est fait. Maintenant je vais mettre donc mon masque rafraîchissant dessus pour bien tenir. Et donc on va attendre 20 minutes. À tout à l'heure. Donc il y a un truc dans l'œil là. Donc voilà, c'est ma peau après le masque. Je ne sais pas si vous voyez une différence. En tout cas, je serai là demain pour un sixième masque. Et demain, on va essayer un masque un peu spécial. Donc, restez avec nous. À tout à l'heure. Coucou, je suis là pour le dernier jour. Enfin, il me semble que c'est le sixième, mais je sais pas en fait. Je sais plus si c'est le sixième ou si c'est le septième. Aujourd'hui, c'est le masque de Derfil. C'est le Zoo Tiger Real Mask au collagène avec Miss A dessus. Faye dessus. Voilà, donc c'est un masque avec un tigre dessus, magnifique. Donc je vais le faire et je vais mettre comme d'habitude mon masque refroidissant de chez DKCC. C'est bien parce que les masques déjà ça te rend à la base, ça te rend un petit peu con, on est d'accord hein. Et bah avec un masque comme ça, t'as l'air encore plus con, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Oh là là, ça pue, c'est horrible, ça sent tellement le parfum, c'est désagréable tellement ça sent le parfum. Comme truc. Et voilà. Et je vais attendre 10 à 20 minutes. Wow. Avec la petite mèche là, ça fait super. Ouh.
Alors voilà ma peau après. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que je ne rachèterai jamais ce masque là parce qu'il pue et j'ai bien l'impression qu'il y a des trucs vraiment vraiment mauvais dedans parce que le contour des yeux me pique un peu hein, alors que j'ai jamais de problème au niveau des yeux. Enfin, si je le mets dans les yeux évidemment ça va piquer parce que j'ai les yeux bleus et j'ai les yeux sensibles, mais là c'est limite, et en plus ça sent très fort le parfum d'homme, donc c'est vraiment pas cool. Pour l'instant je vois pas énormément de différence. Voilà, bye. Coucou, c'est le dernier jour, le 7e jour de un masque par jour pendant une semaine, et aujourd'hui je vais faire ce masque là à la perle noire, Black Pearl Mask Pack de Entel Mask Pack. Voilà, donc c'est un masque qui est arrivé avec le masque rafraîchissant DKCC. J'ai l'impression que je fais de la pub à DKCC, mais non, je ne suis pas sponsorisée ni quoi que ce soit, mais je l'utilise à chaque fois que je mets un masque parce que c'est bien pratique, ça tient le masque, ça ne dégouline pas, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc c'est un masque qu'il faut mettre entre 20 et 30 minutes et qui nous promet Whitening, Yunguang Pibu, Sunsu Pibu. Alors, c'est tout ce que en général les Français n'aiment pas. C'est-à-dire, whitening, c'est l'éclaircissement de la peau, mais c'est pas vraiment éclaircissement de la peau, bref. C'est pas avec ça qu'on va s'éclaircir la peau. Yunguang Pibu. Yunguang Pibu, c'est quand ça brille. Hein. C'est pour briller. Donc, comme une perle, telle une perle de coquillage comme ceci. À dans 20 minutes. Donc ça fait 20 minutes. Et voilà. Voilà ma peau après 7 jours de masque tous les jours. Donc je sais pas si vous voyez une différence. En tout cas moi personnellement je ne vois pas, ça me saute pas aux yeux. J'ai eu un bouton là pendant toute la semaine. C'est vrai qu'il est en train de s'en aller. La cicatrice n'est pas encore partie, mais j'ai de bons espoirs, n'est-ce pas? Ensuite, de ce qui est pour ce qui est la texture, c'est exactement la même. Je vois pas d'amélioration ni de texture ni de rides, hein, puisque j'en ai toujours de rides là. Et mes dark circles, mes cernes sont toujours là. Voilà.